C'est très dangereux. It is very dangerous d'être chrétien, to be a Christian qui n'entend jamais Dieu, that never heard from the Lord, qui ne voit jamais Dieu faire dans sa vie, that never see God doing things in his life, qui prie, that pray, et Dieu ne répond jamais, and God never answered him. Vous entendez? Do you hear? Hier, j'ai vu plusieurs personnes. Vous étiez plus de 78 ou 78, ici on dit en Suisse. Hein? 78, c'est ça? Ok. 78 qui ont reçu Jésus hier. I saw yesterday even 78 people that received Jesus Christ yesterday. Donné leur vie à Jésus Christ. That gave their life to Jesus Christ yesterday. Hallelujah. Amen. Et leurs noms sont ici. And their name is here. Est-ce qu'ils sont là, ceux qui ont reçu Jésus hier? Are these people here around when those that give their life to yesterday? If you are here, stand up. You gave your life to Jesus Christ yesterday. Venez vers moi. Came towards me. Donnez-moi ma fille Carole. Donne-moi les cadeaux que j'avais pour eux. My daughter, give me the gift that I have for them. Hallelujah. Vous me regardez, faut pas regarder eux. Eux n'ont rien à voir avec vous. Don't look at them. They don't have nothing to do with you. You have to do vous something êtes né with me de nouveau right now. Aujourd'hui. You have been born again today. Aujourd'hui c'est votre premier jour sur la terre. Today is your first day on Donc, earth. Quand vous êtes là, on ne vous a jamais connu. As you are here, they have never known you. Ni vu. No seen. Donc ce qui était, ce que vous avez vécu avant-hier n'existe plus. What you went through before yesterday does not exist again. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Do you hear what I say? Ce que vous avez fait avant-hier n'existe plus. What you did before yesterday does not exist again. Tous vos péchés sont pardonnés. All your sins have been forgiven. Et oubliés. And forget. Vous êtes devenus selon la parole de Dieu de nouvelle créature. You became, recording the word of God, the new creation. Une nouvelle créature. A new creation. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Je déclare, même s'il y avait une maladie qui even vous though, a mené à la mort, even there was sickness that was carrying à dater d'aujourd'hui, from today, cette maladie n'a plus de raison d'être dans votre corps. That sickness have no reason to remain. Au nom de Jésus de Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Amen. Clamons le Seigneur. You can clap your hands for the Lord. Oh, je vois les saluts, je vois les saluts entrer ici. I see salvation. Le salut, les saluts entrer, les saluts. Salvation have entered here. Le salut, les saluts. I see salvation. À dater d'aujourd'hui. From today. C'est la puissance de Dieu. Sois complètement out. Oh my God, my God, my God. Soyez prêts, protocole, parce que la puissance est Dieu. Be ready, protocol. Et en cet endroit, la puissance. Fire, ah, c'est un. Jesus, mighty name. Ça, c'est le royaume des cieux. It is the kingdom. Take it. Amène-moi ma fille ici. Bring take it. Mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Ah, in the name of Jesus. Mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Ah! Come out of her. Ah! J'ordonne à tout le mal I command de quitter vos corps. To leave your body. Vous êtes devenus des enfants de Dieu. You become the children of God. Des filles de Dieu. The daughters of God. Aucun malheur. No evil. Ne vous atteindra. Will come near aucun, you. Aucun vient vers moi. Aucun fléau. No case. In the name of Jesus Christ. Take it. No Jesus. Fire. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Take it. In the name of Jesus. Quelqu'un clap, Jesus. Somebody clap. A clap. Somebody clap. Oh my God. Fire with us. Deliver.
Out cet homme. The mighty name of Jesus Christ. Acclamons tous le Seigneur. Père, que cette Bible soit sanctifiée. May this Bible be sanctified. L'onction coule dans cette Bible. Anointing flow through in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name. Je vous donne de mes propres mains la Bible. I'm giving you with my own hand the Bible. Que tes yeux s'ouvrent. May your eyes open. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Vous allez voir des visions. You will see comme visions. Moi. Yes. Come, quickly, quickly. Acclamez le Seigneur. Vous allez voir des visions. Oh. Même les sorciers de vos familles, vous allez les repérer maintenant. Even the witches of your family, you will locate them. Il y a des familles qui vont fuir. Some family will run. Parce que vous allez les voir. Because you will see them. Ceux qui font la sorcellerie et l'occultisme. Those that do witchcraft against you. Ma fille, le salut entre en toi. My daughter, salvation have entered you. Réjouis-toi. Rejoice yourself. Les portes s'ouvrent devant toi. The doors are opening for you. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Somebody clap for the Lord. I am the Lord. Atila. Dans les dons de guérison. I sent my word. Oh, and I hear you. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Oh, yeah. I am the Lord. Acclame. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Clap your hand for the Lord. Hallelujah. Maintenant, ouvrez vos Bibles. Now open your Bible. Ouvrez vos Bibles. Open your Bible. Vous allez lire avec moi. You will read with me. Hallelujah. Amen. Moi aussi, j'ai reçu une nouvelle Bible aujourd'hui. Me Wonderful. Also, I receive a new Bible today. Où est ma fille qui m'a donné la Bible? Viens. Where is my daughter that gave me the Bibles? Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Mon hôtesse. Elle est blonde. Hein? She's blonde. Ma fille, regarde-moi. My daughter, look at me. Donnez-moi l'huile. Give me oil. Aujourd'hui. Today. Je te fais entrer dans une destinée de gloire et de I make you enter in a destiny of Maintenant glory and the power. Se passe. It is happening now. Vous n'acclamez pas parce que vous êtes jaloux. You don't clap because you are jealous. Donnez-moi l'huile. Give me oil. Qui a une bouteille d'huile d'olive? Amenez-le-moi. C'est bon, tu es en retard. Rarabou chatata, donne-moi ça. Ça c'est l'huile parfumée, ma fille. Tu as la grâce. This oil with perfume, you have a grace. Ça c'est parfumé. This oil with perfume. Tu deviens un parfum d'une agréable odeur. You become a perfume with good flavor that is good to the Lord. Lève tes deux mains au ciel. Lift up your two hands to the Father in Jesus' mighty name. Père au nom de Jésus-Christ. Acclamez Jésus. Clap your hands to Jesus. Give him praise. Donnez-lui gloire. Give him glory. Give him glory. Il mérite la gloire. He deserves glory. Il sanctifie. He sanctifies. Il purifie. He sanctifies. Il change. He changes. Sa vie change. Je regarde la puissance. Her life is changing. Look at the power. That's the power. That is the power. That's the power. In the mighty name of Jesus Christ, oh, no, this is get a vision. May your life change. Entre dans la destinée de gloire. Tu prêcheras l'évangile avec puissance. You will preach the gospel. Les malades seront guéris.
Les paralytiques marcheront. Les aveugles verront. Les muets parleront. Les sourds entendront. Les morts ressusciteront. Le diable sera confondu. In the name of Jesus Christ. Le diable cherche à utiliser la beauté de l'homme pour détruire l'homme. The devil wants to use the goodness of man. Mais ce n'est pas le diable qui a créé l'homme. It's not the devil that created man. La Bible dit tout ce que Dieu a fait était. Everything that God created was good. David dit, je suis une belle créature. David said, I'm a beautiful creator. Faut être fier de toi. Faut te faire beau, belle chaque jour. Make yourself beautiful. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm not talking to somebody. Nous voyons des belles filles faire la prostitution pour gagner de l'argent. We see beautiful ladies to do prostitution to gain money. Mais dans ce temps de la fin, nous allons voir des belles filles et des belles hommes porter la Bible et déclarer que Jésus est Seigneur. Beautiful men carrying the Bible and preach the gospel. Vous le verrez ici en Suisse. You will see it. Et ça se passe déjà. And ça va commencer par toi. Au nom de. In Jesus Christ's name. La Bible dit. The Bible says. Mon peuple périt. My people perish. Parce qu'il lui manque la connaissance. Because they lack knowledge. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu périsses. It's not the will of God that you may perish. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mon ami. It is not the will of God, my friend. Dieu, God, ne souhaite pas ta perte. He does not wish for you to lose. Il ne souhaite pas ta souffrance. He does not wish that you may suffer. Ce n'est pas sa volonté. It is not his will. Mais Dieu a tout donné à l'homme. But God has given everything to man. Hallelujah. Amen. Hallelujah. La première fois, the first time, où Dieu a placé l'homme dans son jardin d'Eden. That God placed human being in his garden. Dans son jardin d'Eden. In his garden in Eden. La Bible dit Dieu plaça l'homme. God placed man. Il donna à l'homme des instructions. He gave instruction to man. La parole de Dieu, the word of God, ce sont des instructions. Those are instructions que Dieu a donné à l'homme. That God gave to man. Les paroles de Dieu, the word of God, ce sont des instructions. Those are instructions que Dieu a donné à l'homme. That God gave to man. Et si l'homme, and upon man, sait respecter ces instructions, if man know how to respect those instructions, il ne périra jamais. He will never perish. La raison pour laquelle that is why Dieu va dire à Josué, God will say to Joshua, Josué, c'est Joshua, mon serviteur Moïse, my servant, toi tu étais serviteur de Moïse, you that was servant of Moses, tu as vu comment j'ai marché avec Moïse, you saw how I walked with Moses, tu as vu comment Moïse a marché avec moi, you see how Moses walked with me, maintenant je te choisis, now I've chosen you, tout lieu foulera la plante de ton pied je te le donnerai en possession, every place your feet will tremble on I will give you an heritage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu n'as pas entendu ça? Ils n'ont pas entendu là-bas. Laisse-moi te parler un peu. Let me talk to you a little. Je veux te communiquer la connaissance. I want to communicate to you the knowledge. En sortant de cette salle, by coming out of this ta place, vie ne sera plus jamais la même. Your life will never be the same again. Josué, serviteur de Moïse. Joshua, servant of Moses. Josué ne s'appelait pas Josué. Josué did not call himself Joshua. Josué s'appelait Osée. Joshua's name was Hosea. Son nom était Osé. Joshua's name was Hosea. Après avoir marché avec Moïse, after walking with Moses, Moïse va lui donner le nom de Josué. Moses will give him the, qui veut give dire him the Yeshua. Name of Joshua. Hallelujah. You can clap your hands, somebody. Hallelujah. En réalité, Josué avait reçu la prophétie venant de Moïse
C'est toi qui va sauver le peuple d'Israël. Joshua received the prophecy that came from Moses. It's you that will save the people of Israel. Moïse lui-même ne savait pas. Moses himself did not know about it. Donnant le nom de Josué à Osée. By giving the name of Joshua to Hosea. Cet enfant-là deviendrait son successeur. That man would be his follower. Hallelujah. Amen. Très souvent, most of time, quand les hommes de Dieu prêchent, when people, men preach, quand les hommes de Dieu when prêchent, the men of God preach, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. They don't speak concerning themselves. Je parle de vrais hommes de Dieu. I'm talking about the real men of God. Apôtre Tony Silas a dit hier, il y a la différence entre pasteur et homme de Dieu. Tony Silas a dit yesterday, there's a pastor. Je ne parle pas de pasteur. Between pastor and a man of God. Je parle des hommes de Dieu. I'm not talking about pastor. I'm talking les about man of God. Qui marchent avec Dieu. Men that walk with God. Est-ce que vous croyez que je marche avec Dieu? Do you believe that I walk with God? Tu es libre de croire, tu es libre de ne pas croire. You are free to believe in it. Mais you je are free sais une chose. But I know one thing. Bible me dit, he tells celui me, qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura la bénédiction du prophète. Will receive a blessing of a prophet. Si je suis homme de Dieu pour toi, if I'm a man of God for you, alors le Dieu qui est en moi the God that is devient me. Ton Dieu. Because au nom de in Jesus Christ's name. Hallelujah. Mon serviteur Moïse, my servant Moses, n'est plus. Maintenant c'est toi que j'ai choisi. Now you have chosen. Tu vas marcher avec moi. You will walk be comme with Moïse me. A marché avec. As Moses walked with il me. Il lui donne des instructions. He gave him instructions. Il dit tout lieu foulera la plante de ton pied. He said every place moi your feet Dieu, will come on. Me God. Je te le donne en possession. I give you in possession. À toi et à ton peuple. To you and to your people. Si Dieu est avec toi. If God is with you. Tous ceux qui sont avec toi. Everybody that is with you. Il bénéficie de la grâce de Dieu. Oh, the benefit, the grace of God that is upon your life. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm talking to est-ce somebody. Est-ce que les Suisses sont là? Are the Switzerland people hey. Here? Si tu es un homme de Dieu, if you have a man tu of God, sais que c'est un homme de Dieu. You know he's a man mais of God. Ne le quitte jamais des yeux. Don't leave him with your eyes. Hebrews dit que votre regard soit fixé sur Christ. The Hebrews says that your sight may be upon Jesus. Alors Christ. Si tu vois Christ chez quelqu'un, if you see Christ, regarde somebody, cette personne là. Look parce at que the person. Christ est en lui. Because Christ is in that person. Oh my God, je sens l'atmosphère. Rempli de la puissance de Dieu. The my God. Filled up with the power of God. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? I don't know. Je ne sais pas. Mais je sens la puissance. Je sens la puissance. Le Dieu des cieux est dans ce lieu. My God. Let your name be glorified. Roshakata Bashata. Quelqu'un est en train de guérir maintenant même. Somebody je vois les yeux de quelqu'un s'ouvrir. Tu ne voyais pas, maintenant tu peux voir. Oh my God! My good God. Praise the Lord. Jesus. Il y a l'atmosphère du Saint-Esprit. There is the atmosphere of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est ici. The Holy Spirit quelqu'un is here. Quelqu'un dit bonjour Saint-Esprit. Asseyez-nous dans sa présence. Thank you Jesus. Si vous me voyez pleurer, c'est see me crying. C'est que quelque chose de merveilleux se passe. That means something wonderful is happening. Oh Saint-Esprit. Oh dear Holy Spirit. Thank you, merci. Thank you, Holy Spirit. Merci de nous guérir.
Thank you for healing us. Merci de nous sauver. Thank you for saving us. Mon serviteur. Your servant. Marche avec moi. My servant, walk with me. Dieu dit marche avec lui. God say to him, walk with me. Oh Jesus. Oh Jésus. Je vois un serpent. I am seeing a snake. Et je suis en train d'écraser sa tête. But I'm bruising the head of the snake. Vous comprendrez plus tard. You will know later on what I'm talking. La chose qui bougeait dans votre corps n'est plus. That thing that was moving in your body is no more. In Jesus' name. In Jesus' name. Il dit Josué. He says Joshua. Tout lieu foulera la planche de votre pied. Every place your feet will tremble on. C'est-à-dire à toi et à ton peuple. To you and to your people. Je vous le donne en possession. I will give you in possession. Il rajoute. And he said again. Aussi longtemps que tu vivras. So long you will be alive. Aussi longtemps. Tant que tu vivras, so long you will be alive. Nul ne tiendra devant toi. Nothing can stand against you. Écoutez le Dieu tout puissant comment il parle. Oh my God. Dieu ne peut pas t'établir sur la terre. God cannot establish you upon sans earth te donner son pouvoir. Without giving you his cela power. Veut dire sa puissance. I say his power. La puissance de Dieu. The power of c'est God. Ce que tu as besoin. It is what is you need. Tout est fait par la puissance de Dieu. Everything is done by the power of God. La puissance de Dieu. The power of God. C'est la machine qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. It is the machine that created c'est la everything. Puissance de Dieu. It is the power la of God. Parole de Dieu. The word of contient God. La puissance de Dieu. It is the power. Est-ce que je parle God. À quelqu'un? Am I talking to somebody? À chaque fois que tu diras amen, tu reçois la grâce. Every time you will say amen, you receive the grace. Regardez. Look. Dieu dit à Josué. God said to Joshua. Il dit Josué. He said Joshua. Mais je te dis une chose. I'm telling you something. Pour réussir. To prosper. Regarde ce que mon serviteur Moïse a écrit. Look what my servant Moses have written down. Que ce livre de la loi. May this book ne of se loi ne point de ta bouche. Never go far from your il mouth. Il n'a pas dit de tes yeux. He didn't say your eyes. Il a dit de ta bouche. He said your mouth. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Because the word of God is a food. Dans Jean chapitre 6. In John chapter 6. Jésus a dit je suis la vraie nourriture. Jesus said I am the real food. Hallelujah. Je suis le pain qui est descendu du ciel. I am the bread that came from heaven. Votre problème à vous les occidentaux là. Your problem, you people from Europe. Vous croyez que la parole est la lettre. You think word is a letter. La lettre est une chose. Letter is something. La parole en est une autre. And the word is something else. Hallelujah. Hein? Si tu as compris, ça acclame. Si tu as compris, acclame. Glory to God. C'est la parole qui fait la lettre. Is the word that makes the letter. Ce n'est pas la lettre qui fait la parole. It's not the letter that est-ce que je the parle word. À quelqu'un? Am I talking to somebody? Oh my God, man of God, you are preaching. Il est en train de prêcher. Avant que la lettre devienne lettre, before the letter become letter, elle se trouvait sur la connaissance de quelqu'un. He was in the knowledge of somebody. Dieu parla à quelqu'un. God spoke to somebody. Il a transmis la connaissance à quelqu'un. He transmitted the knowledge après, to somebody. Dieu va dire à cette personne. And after God will say to the person. Quand tu as reçu la connaissance. As you have received the knowledge. Écris maintenant. Write it down. Oh, il a prêché. Il m'a prêché. My God, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd.
Glory to God. Tu es à l'université de Jésus-Christ. Son of the living God. Aide-nous, Saint-Esprit, de recevoir la connaissance. Help us, Holy Spirit. L'université céleste. Alléluia. Écris tout ce que je te dis. He said, write down everything that I'm telling you. Parole. The words. Alléluia. Ça se mange. You can eat it. It's eatable. Ça se mange. You can eat. Et si tu manges la parole, you eat the word, elle entre en toi. And the word enter you. Elle va prendre possession and de it will take tout ton possession corps. Of your body. Et c'est par là and it's by then, vous allez remarquer you will notice le changement de la personne the changing à partir of the person, de sa mentalité, through her, his mind, de ses habitudes. Of his behaviors. La personne change. The person change. Parce que ce n'est pas le corps humain qui fait humain, because it's not the body that mais makes c'est a le man. Contenu. Oh. Qui fait de toi ce que tu es. It's the inside that make you who you are. Il a prêché. My good God. C'est pourquoi that is why Jésus pouvait être homme selon la chair. Jesus can be a man mais à l'intérieur de lui, but inside il n'y avait rien de l'homme. Oh, il était Dieu en part entière. There was a natural il était man. Dieu. Dieu qui marche comme un homme, mais qui n'était like pas un homme. But he was not a man. Rebo chante, rebo chata. My rebo God. Sheka, ta, 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 ta. My God. My God. Oh God. Nous partons quelque part. God. Jesus Christ. Les gens disent que nous sommes des magiciens. People say that we are magicians. C'est normal. It is good. Jésus aussi. Jesus also. On l'avait appelé prince des démons. They call him a prince of demons. On lui avait aussi appelé Belzébuth. And they call him Beelzebub. Même ses propres disciples. Even his own disciples. L'ont appelé fantôme. They call him ghost. Si votre corps est rempli de la parole de Dieu, if your body is filled up with the word of God, cela veut dire votre corps est rempli de Dieu. That means your body is filled car up with the God. Car au commencement était la parole. Because in the beginning was the word. La parole était avec Dieu. The word was with God. La parole était Dieu. And the word was God. Oh, my God, my God. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alléluia. Et si la parole entre dans votre corps, when the word enter your body, il vous donne la connaissance de Dieu. It give you the knowledge of God. C'est fini, vous n'êtes plus homme. It is over, you are no more man. Vous êtes devenu Dieu dans you l'homme. Become... À ce moment-là, by then, vous pourrez dire à un aveugle que ton tes yeux s'ouvrent. You can see, say to a blind man that your eyes open. Et les gens vont voir les yeux s'ouvrir. And people will see the eye opening. Et ils vont dire non 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 non. And they will say no. C'est no, pas no, normal. It is not good. Il a la magie. He carries magic. Non, mon ami, vérifie bien. Même les magiciens ne font pas ce que je fais. Oh, my friend, watch well. Magician cannot do what I'm doing. Hallelujah, somebody. Ooh, quelqu'un dit ooh. Somebody say ooh. Hallelujah. Dieu lui dit. God says. Mange la parole afin que tu réussisses. Eat the word so that you may prosper. Donc, tout ce que tu vas entreprendre. In everything that you will do. Tu réussiras. You will prosper. Tu réussiras. Ah, si tu crois, dis amen. Tu réussiras. Donne-moi un bon amen. Tu réussiras. I receive. Tu réussiras. I receive. Tu réussiras. I receive. Tu réussiras. I receive. Tu réussiras. I receive.
tu réussiras. Je dis tu réussiras. Je parle à quelqu'un, tu réussiras. Je dis tu réussiras. Je dis tu réussiras. Tu réussiras. My good God. Tu ne forceras plus. You will not do it by force. Tout ce qui est le fruit de la chair, everything that is the fruit of flesh, ça vient du diable. It came from the devil. Hallelujah. Mais ce qui vient de Dieu, things that came from the Lord, ça vient de la parole. It came from the la word. La parole qui a appelé toutes choses à l'existence. The word that called la parole ne forçait pas. The word did not force. Il disait que la lumière soit. He said there may be et la lumière. And the light was. Hallelujah. Amen. Je dis que la lumière soit. Say, may there be light. Que la lumière soit. May there be light. Que la lumière soit. May there be light. Au nom de Jesus mighty name. Acclame pour toi-même. Clap for yourself. Assions-nous. Voilà la raison pour laquelle Dieu dit. That's the reason why God said, mon peuple, my people, périt, are perishing, parce qu'il lui manque la connaissance, because they lack knowledge, puisque tu as rejeté la connaissance, because you have rejected a knowledge, moi aussi je te rejetterai, me also I will reject you, parce que Dieu, because God, est comme une marque. It's just like a mark. Vous savez ici en Suisse, on est attaché aux marques. You know here in Switzerland we are bound to mark. Je vais donner l'exemple d'une I will give an example. Connue en Suisse, je citerai pas le nom. A mark that is well known in Switzerland. Il y a une marque qui est connue beaucoup dans le monde entier. There is a watch that is very well known. Cette montre là, plusieurs l'ont imitée. This watch have a lot of imitation. Ils ont fait des faux machines. They make the fake ones, but it does not work. Alors, quand le propriétaire de la marque regarde la if marque, if the owner look at to the this mark, s'il ne voit pas sa signature, if he don't see his hand sign, il va rejeter cette marque là. He will reject this mark. Quoi qu'elle porte son nom. Even though he's carrying his name. Vous comprenez? Do you understand? La Bible dit, il leur dira, allez-vous-en. The Bible says he will tell them, go. Vous qui commettez l'iniquité. You that are committing iniquity. Je ne vous ai jamais connu. I never knew you. Et ils diront, nous avons guéri les malades à ton nom. And then we say we heal sick. Nous avons chassé les démons à ton nom. We cast out demons in your name. Y a pas ma marque sur vous. Sa marque c'est la parole authentique. His mark is the original word. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Is somebody here? Aïe 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 aïe. Sa marque ce n'est pas des guérisons, ce n'est pas des miracles. His mark is not only miracle sa and healing. Sa marque c'est la parole authentique. His mark is the original et word. C'est cette parole là qui guérit les malades. It is that word that heals the sick. C'est cette parole là qui ressuscite les morts. It is that word that c'est cette parole là qui ouvre les portes. It is that word c'est that cette parole. C'est cette parole. Alléluia. Alléluia. Ne t'attache pas au miracle. Do not bound yourself to the miracle. Si tu ne cherches pas d'abord la connaissance. If you don't seek for the knowledge. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. My people perish because they lack knowledge. Les dons. The gifts. Vous avez les dons. You have the gift. Plusieurs parmi vous ont des dons. A lot of you have a gift. Vous avez des dons, hein? You have a gift. Depuis ton enfance, tu fais des rêves et tu vois des choses que tu rêves se réaliser. Since your childhood, you do a dreams and you see the dream coming to pass. Mais c'est ça les dons. And that is a gift. Si tu grandis en Seigneur, dans le Seigneur, when you grew up in the Lord, tu manges la parole, you eat the word, tu auras maintenant la connaissance comment utiliser ce don. You will have the knowledge how to use those gifts. Il y en a qui ont peur. Some people are scared. Angoissés toute leur vie.
under fear all their life. Parce que chaque fois qu'il fait des mauvais rêves, des cauchemars, because every time he have a nightmare, il voit ce cauchemar-là se réaliser. And he see this nightmare coming to pass. Et maintenant, elle a peur chaque fois qu'elle fait des cauchemars. And now he's all scared when he has a nightmare. C'est parce que la connaissance n'est pas venue dans ta tête. It's because the knowledge have not come in your head. Je dis à Lille. I say to c'est Lille, facile de détruire Satan. It is very easy to destroy Satan. La seule chose qui détruit Satan, the only thing that destroys Satan, c'est la connaissance. Oh, tu n'as pas acclamé. It is the, tu as reçu la clé maintenant même. It is the knowledge. Tu peux crier au nom de Jésus, sors. You can shout in Jesus' name, come out. Ça n'aura pas de fait s'il n'y a pas de connaissance. It will not be effective. Le there is nom no knowledge. De Jésus qui fait fuir Satan. The name of Jesus that makes Satan c'est to run. Le nom de Jésus qui est prononcé avec la connaissance. It is the name of Jesus Christ that is pronounced with knowledge. Et le diable voit la connaissance. And the devil see the là où il y a la connaissance, where there is a knowledge, le diable ne joue pas. The devil do not play around. La connaissance veut dire lumière. The knowledge means light. Oh. C'est la lumière. It is the light. J'ai toujours dit, si vous voyez un sorcier, if you see a witch, qui planifie des choses contre vous, that is planning evil against you, de que vous êtes au courant de ce qu'il veut faire, if you find out his plans, et qu'il sait que vous êtes au courant, and he find out that you are aware, c'est fini, il va plus rien faire. It is over, my God. Hallelujah. Tout à fait. C'est la connaissance. It is the knowledge. C'est la connaissance. It is the knowledge. Dis à ton prochain, acquiers la connaissance. Tell your neighbor, seek for the knowledge. La connaissance, c'est knowledge, la parole. It is the word. La parole, c'est Jésus. The word is Jesus. Jésus Christ. Est Dieu. Jesus Christ is God. C'est simple. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu parmi nous? Donne-moi une bonne acclamation. Je vois un petit enfant. I'm seeing a small child. Un petit garçon. A small boy. Dans une photo. In the picture. Dans la photo. In this picture. Il est avec sa grand-mère dans la photo. He is with his grandma in the picture. Et cette photo est ici dans la salle. And this picture is here in this room. Amène-moi cette photo-là. Bring it to me. Un petit garçon. A small boy. Il est avec sa grand-mère dans la même photo là. He is with his grandmother in the same picture. Amène-moi la photo. Bring me the picture. Oh, tu ne peux pas clamer plus fort que ça. Tu ne peux pas rendre gloire à ton Dieu. My God. La la la, chétété. Ya la la, chétété. Il a le trouble de comportement de ton fils. Hein? Dans ce sens. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Oui. C'est cet enfant-là que je cherche. Acclamez pour Jésus. Oh, acclame. Vous autres, vous pouvez rester aussi là-bas. Je vais prier pour vos enfants. Je cherche pour the others, you can stay. I will pray for your children. OK. Et l'Esprit de Dieu a fait quelque chose avec ton enfant. Tu entends ce que je dis? Jesus. Il est où? Il est en Espagne. En Espagne? Oui. Et tu l'as laissé là-bas? Oui. Tu vas de temps en temps? Oui. Jésus l'aime. Merci. Jésus aime ta famille. Merci. Je vois Jesus une gloire sur toi et sur ta famille. I see the glory upon you and your family. Jesus. Je vois une femme. I'm seeing a woman. Je vois un couple. I'm seeing a couple. Je vois un couple. I'm seeing a couple. Un couple. A couple. Je vois son mari. I'm seeing the husband. Il me montre sa femme. He's showing me his wife. Je vois le mari me dit, oh, non. Il y a un problème sérieux dans notre couple. And the husband is saying there's a serious problem in our je life. Je lui pose la question, il y a quoi?
I asked him a question, what it is? Ma femme. He said, my wife. Il me montre ici. He showing me his heart. Il me montre ici. He showing me this place. Ici. This place. Il y a quelque chose ici dans sa femme. There is something there in his wife. Il est où cet homme et son Where sang. Is this man? Il y a quelque chose ici. Mais there is something je here. Le vois montrer du doigt. I am seeing him pointing his woman à sa femme. To his wife. Il y a un problème ici. Saying there is a problem here. Où est cette couple? Ce couple là. Where is this couple? Hein? Tu viens vite. Je vous comprends pas. Ta bénédiction là, toi tu dors. Come quickly, take your blessing. Viens dormir ici devant. Regarde les autres. Ils sont bien ici devant. Ici c'est mieux pour dormir. Sous l'anxiété. Madame, ton mari où? Ton mari vient? What is your husband? C'est ta femme. Il y a quoi dans ta femme? What is in your wife? Il a toujours des problèmes ici. Et puis hier soir, quand j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, qu'il faut montrer à ton serviteur les problèmes de ma femme, parce qu'il y a déjà plus de temps. Yesterday, when I was praying, I prayed to the Lord, I said, show my problem to the servant of God. Il a dit au Seigneur, montre les problèmes de ma femme à ton serviteur. Donc j'ai bien vu. Show the problem of my wife to your servant. Pourquoi vous n'acclamez pas? And now I've seen it. Pick it out, Satan! Lèvons-nous tous là où nous sommes. Levez les mains au ciel. Lift up your hand to heaven. Levez les mains au ciel. Lift up your hand. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Quelqu'un dit Seigneur Jésus. Somebody say Lord Jesus Christ. J'ai besoin de toi. I need you. Je te veux dans ma vie. I need you in my life. Viens. Come. Touche-moi. Touch me. Guéris-moi. Heal me. Délivre-moi, Seigneur. Deliver me, Lord. Seigneur Jésus. Lord Jesus. J'ai besoin de toi. I need you. Viens, Seigneur. Come, Lord. Viens, Seigneur. Come, Lord. Viens, Seigneur. Come, Lord. Plusieurs personnes sont visitées maintenant même. A lot of people are being visited right now. Il y a un vent qui va souffler dans la salle. There is a wind that is about to blow in this room. Plusieurs personnes seront touchées. A lot of people will be touched. Touchées. Touch. Protocol, get ready. Protocol. Down she goes. Down she goes. That's the power right there. Come on. That is the power. My Lord. My Lord. My Lord. That is the manifestation of the Holy Ghost. Fire. Get ready. Get ready. Get ready. That's the power. Now, look at it. Look at Take it. It. That is the power. Take it. That is the power. Take it. Look at it. Look at it. Take it. That is the power. Fire, Holy Ghost. That is the power. No. Somebody get ready. Get ready. Get no. Ready. L'Esprit de Dieu te visite. Le vent de l'Esprit souffle. Fire, Holy Ghost. Amenez-le-moi, amenez-le-moi, amenez-le-moi. Take it. Shakaraba, shatataraba. Yeba, shatatatatatatata. Roshakatereba, kashatata. Fire, Holy Ghost. La puissance de Dieu est dans la salle. La puissance de Dieu est dans la salle.
Levez les mains au ciel, plusieurs personnes. Lift up your hands. Je vois plusieurs centaines de personnes. I see many qui sont visitées par le Saint-Esprit. Les maladies sont en train de quitter le corps. Right les chaînes sont en train de tomber. Maintenant même. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. No. 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 Get a senator. Get a senator. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire. Puissance de Dieu dans cette salle. La puissance de Dieu dans cette salle. Les malades sont guéris. Les malades sont libérés. Protocole. Protégez le peuple de Dieu. Hey. Rochatatatatatatata. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Take it. Fire, Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Reçois la grâce, madame. In the mighty name of Jesus. Reçois la grâce. Receive the grace. Reçois la grâce, frère. Receive the grace, brother. In the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Reçois la grâce. Receive the grace. Il y a plusieurs guérisons dans cette salle. There is a lot of healing in this place. Je vois des miracles dans cette salle. I see miracle in this place. Maintenant. No, no, reçois no, la no, grâce, no, madame. No, no, no. Reçois la grâce. Reçois Receive la grâce. Grace. Take it. Receive the grace. Take it now. Take it. Receive the grace. Les oreilles s'ouvrent de quelqu'un. Je dis que les oreilles s'ouvrent. Oh, take it! Take it! Take it! In the name of Jesus Christ. Reçois la grâce. La grâce est venue vers toi, madame. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Reçois la grâce, frère. Reçois la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient vers toi, jeune homme. Quelqu'un est en train de recevoir les miracles maintenant même. Maintenant même. Ta jambe est guérie maintenant même. In Jesus' name, reçois la grâce. Reçois la grâce, frère. Reçois la grâce, madame. Reçois la grâce, madame. Receive the grace. Protège-la. Protect her. Reçois la grâce. Receive the grace. You are the Lord that he loves. Tu es le Dieu qui me guérit. You are the Lord my healer. Tu es le Dieu mon guérisseur. Take it. Hey. You sent your word. Tu envoies ta parole. Pour guérir mes enfants. Fire, le feu du Saint-Esprit. Ah!
Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Ma fille. Ma daughter. Asseyons-nous. Ceux qui veulent vomir, mettez quelque chose afin qu'ils vomissent. Ma fille, tu habites où? Where do you stay? À Genève. Écoute ce que je reçois pour toi. Écoute ce que je reçois.
in Jesus. Au nom de Jésus. Écoute, Jésus va t'utiliser. Tu attends ce que je dis? You hear what I say? Ne mets pas fin à ta vie. Do not put end to your life. Tu m'entends ce que je dis? Do you hear what I say? Tu as entendu? You hear me? Ne mets pas fin à ta vie. Do not put end to your life. Parce que j'entends que tu es fatigué de vivre. I am hearing that you are tired c'est of life. C'est ça que j'entends maintenant même. That's what I'm hearing right now. Tu dis, tu es fatigué de vivre. You said you are tired of this Est-ce life. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Is that true? Fatigué. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, acclame pour Jésus-Christ. C'est parce que tu ne te connais pas toi-même. It's because you don't know yourself. Ne regarde pas ce que tu vois devant toi. Don't see what you don't look at what you see. Regarde la parole de Dieu, ma fille. Dieu a un projet pour toi. Look in the word of God. God have a plan for Il you. Il me le dit de te dire. He's telling me to tell you. Hein? Ça prend du temps. Tu as? Ça prend trop de temps. J'ai pas entendu. Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. It is taking a lot of time. Ça prend pas de temps. Pour toi, it is not taking for you. It's taking a lot of time. Mais Dieu veut te former. But God will teach you. Okay, tu sais ça? Alors reçois la grâce de Dieu. Receive the grace. Acclame le Seigneur. Acclame. Je te transmets les dons de Dieu. I transfer the gift of God in you. Touche mes mains. Touch my hands. Avec l'autre main. Tu reçois les dons des miracles. Amen. You're receiving the gift of miracles. Avec l'autre main. Amen. Dégage! Acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a un esprit de suicide qui veut pousser plusieurs personnes à se suicider. There is a spirit of suicide that wants to push a lot of people to kill themselves. Je commande à cet esprit de quitter maintenant même. I command the spirit to leave now. Come on! So! Acclamez le Seigneur. I sense my word and I hear your desire. I am the Lord, my healer. Relève-moi celle-là. Lift her up. Lift her up. I am the Lord, your healer. Je suis Dieu ton guérisseur. I am the Lord your healer. Je suis ton Dieu ton guérisseur. Qui a amené son mouchoir? Y a quelqu'un qui a amené le mouchoir blanc ici? Have you brought your handkerchief? Soulevez vos mouchoirs là où vous êtes. Bring your handkerchief where you are. Levez vos mouchoirs, je vais voir ça. Bring your handkerchief where you are. Parce que ça va être votre point de contact de ce soir. It will be our point of contact for tonight. Thank you, Jesus. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. You can have your seat, may God bless you. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. May the Lord bless you. Vraiment, Seigneur. Vite, vite, vite. Tu es libre. Vas-y. Lève-moi celle-ci. Je suis le Dieu qui te guérit. Tu es libre. Tu veux te suicider? Je veux être délivré. J'envoie ma parole.
Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Regardez-moi la salle avec les mouchoirs. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Wonderful. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est merveilleux. That is the Holy Ghost moving. Quelqu'un dit Jésus. Somebody say Jesus Christ. Jésus. Somebody say Jesus Christ. Jésus. Somebody say Jesus Christ. Tu es Seigneur. You are the Lord. Acclame le Seigneur. Oh, somebody put your two hands together for the Almighty. Tu es libre, ma fille. You are free, my daughter. Tu es libre. You are free. Tu veux dire quoi? What do you want to say? Délivré de l'esprit de suicide. Tu veux être délivré de l'esprit de suicide. Au nom de Jésus. Mais pourquoi cet esprit? She wants to be set free from the spirit of suicide. Tu es belle. You are very beautiful. Je pense que c'est parce que je suis belle que Satan veut me pousser à me suicider justement parce que j'ai été harcelée à l'école et ça m'a conduit à être à avoir une tristesse maladive et ensuite qui a conduit à la dépression et des envies de suicide. À dater d'aujourd'hui. Cette pensée ne fera plus partie de ta vie. Ah! Come on! Quelqu'un dit merci Jésus. Somebody say thank you Jesus. Come on. Vas-y maman, tu es libre. Jésus t'a libéré. Go mother, you are free. Jesus has set you free. Donne-moi ta main. Lève-toi. Jésus t'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Tu es libre. Fais ta soif. Free. Go and sit down. Jésus t'a libéré. Lève-moi cette. Alléluia, je suis dans la joie. Va, tu ne verras plus cette pensée dans ta tête. Go, okay? You will never see that thought again. Suicide aussi. Ah, j'espère que suicide. Come on. Va, libre. Relève-moi celle-là. Jésus m'a libéré. Qu'elle soit libre maintenant au nom de Jésus. Je suis dans la joie. Jésus m'a libéré. Tu as tout perdu. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Je suis dans la joie. Aucun malheur ne t'arrivera. Dieu te restaure. Chantons.